Et les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Graveyard Keeper, donc sur PC. Un jeu qui m'a été offert par Christ, encore une fois, merci à toi, c'est reparti pour un tour, on y va, on prend ça. Non, ça on peut pas le prendre, je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourra apprendre comme truc intéressant? Là, il y a les recettes qu'on ne connaît pas encore. Ça, ça pourrait être intéressant aussi à apprendre. Tout ça, là. Ça demande tellement de ressources. Là, il y a une table dans le monde 2. Non, n'abusons pas des choses importantes. Il vaudrait mieux prendre ça. Où ça? Zut. Bon, les gens vont en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas les villes, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent. Ça sert à rien de passer par en haut. Vous là, faut que je vous parle. Tiens, j'ai ça. Oh, merci, je vais en prendre tout de suite. Ta-da-da-da, histoire. Quel goût étrange. Ah bon, je ne sens plus le goût. Attends une seconde, je vais croquer un morceau de ce biscuit aux épices que j'ai dans la poche. Il n'a aucun goût, plus rien du tout comme avez-vous donné. Tout ce que vous m'avez demandé, l'herbe a ok. Oh mon dieu, c'est arrivé, c'est la malédiction. Dans ma jeunesse, on m'a prédit que je finirais par perdre la chose qui compte le plus pour moi. Qui vous a dit cela? Une dizaine de bonne aventure, je traversais la désert dans ma caravane de l'autre côté des montagnes du nord. Nous nous sommes arrêtés dans une oasis, et là se trouvait cette vieille femme. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est réalisé. Et maintenant ça, et je suis désolé pour vous. Attends une minute, connaîtriez-vous une sorcière? Non. Un inquisiteur les a probablement tous brûlés. Si la vieille Clotho est encore vivante, elle est déjà vieille quand j'étais, gamin. Mais si elle est en vie, ça doit être une véritable sorcière. Essayez de la retrouver au cœur du marais de l'Ouest, c'est bon. Dites-lui que le marchand et le prêtre qui lui achetaient une des potions d'amour ont besoin de son aide. Le marchand et le prêtre des potions d'amour? Il était marchand et prêtre. Qu'elle se souviendra de nous. Le prêtre? Mon frère était prêtre. Ah non, d'accord, ok. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Bon, je compte sur vous, mon ami. Apportez-moi un remède dans, contre cette malédiction. On va aller parler à la dame, alors. Hein. Je ferai ce que je peux faire. Commercer. Alors, qu'est-ce que t'as, mon grand? Dis-moi que t'as des choses intéressantes. Ah, mais non! Il a pas de graines intéressantes, lui non plus. Il y a des graines de vigne, poisson royal, diamant à facettes, soie. Il y a des graines de vigne là. Mais, ouais, au pire, je vais prendre quelques graines de vigne quand même. Je crois que j'ai un truc comme ça, j'en avais besoin, mais ça coûte 50. Voilà, ensuite, comme une grosse quiche, je parie que j'ai oublié de prendre certaines choses, mais normalement ça devrait aller assez vite pour revenir. Mais bon, là on a fait ce qu'on avait à faire avec lui déjà. Quoique je peux peut-être, en étant très rapide, même si vous y croyez pas du tout, hein, faire un tour de magie. Attendez. J'y crois encore. Genre comme ça. Il va me manquer des plumes. Tu vas voir qu'il va me manquer des plumes. J'aurai pas le temps. Pour que je puisse courir 10 fois plus vite. Cours, Forez, me cours! Surtout que c'est nul, puisque du coup, c'est une référence à Cours, Forez, cours, et que Cours, Forez, du coup, ça marche pas. Bref. On va voir. Toc, ça, on prend. Il est encore là, bouge pas, hein, surtout le marchand. Ne part pas trop vite. Il me faut des œufs, des plumes. On s'en fout, des plumes.
J'aurai pas le temps, à mon avis. Comment ça, impossible que c'était l'offre? Attends, mais j'ai largement assez de pognon pour tout acheter, là. Pourquoi elle veut pas accepter l'offre? Sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Impossible d'accepter l'offre. Ah, parce que j'ai plus de place dans mon inventaire, mais non! Et t'es trop nul! Vas-y, bazarde-moi ça. Ça, on s'en fout. Un temps fou pour rien. Allez, on y va. On y croit. On va aller par là. Voilà. Parce que je peux pas bazarder autre chose. Je passe vite fait, je balance un truc. J'y crois très fort. Si, j'y crois fort. Genre, tiens, je te mets ça en attendant, toi. Toc, ici. Tiens, je fasse de l'encre avec une plume, zut. Non! Non! J'ai plus d'endurance à deux trucs de la fin, quoi. Mais non, mais ça se fait pas, ça, les gars. Ça se fait pas, c'est pas gentil. Trop tard. Je suis déception. J'y ai cru jusqu'au bout, moi. Je pensais que ça le ferait. Bah non. L'arnaque. Toc. En même temps, j'ai tellement de machins que qui sont pas spécialement utiles là-dedans. Que j'ai balancé d'ailleurs. Foutre en bois, elles sont mes constructions. Ça c'est fini, on va le ranger dans un coin ça. 28. C'est vrai que j'ai plus de métal. Aux grands mots, les grands remèdes. Oh, je reviens à pied. C'est pas juste. Non. En plus, j'ai plus d'endurance, donc si je me fais attaquer sur le chemin, je pourrais pas me défendre. Bonjour, monsieur le zombie. Ravi de vous rencontrer. Salut. Oh, c'est des esquives absolument surnaturelles. C'est extraordinaire. Oui. Oui. Il s'approche du but. Non. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'aller-retour ici, non? Juste un petit peu. Salut Wiscoon! Ça va? Quoi de beau? Je fais n'importe quoi.
à chaque fois, ça se stocke pas. Enfin, ça ne se stack pas, pardon. Ah, bravo, Iti, bravo. Bien dormi, du coup. As-tu fait de beaux rêves? Était-il doux? Donc, qui aurait des graines assez intéressantes pour faire les choses intéressantes? Aïe. C'est bien qu'ils sont rafraîchis, continue. Voilà, donc ça j'ai, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait pour continuer à avancer sur la bonne voie? Les graines de vigne. Là. Comme un sac à patates, mais c'est pas grave ça. Après, ça dépend si t'es endormi sur ta chaise ou si t'étais sur ton lit devant ton ordinateur, c'est pas grave. Au contraire. Aucun souci avec ça. Attendez. D'abord la vigne. C'est bon, ça passe. Elle est par là, la vigne. Parfait. Voilà. On va au moins laisser pousser ça, on va bien voir si ça donnera après. Est-ce que j'avais un truc de récolte ou je ne sais plus quoi? C'est le bras qui me rate. Ok. Ce que je voulais faire après, c'était aller jusqu'au bureau de l'entreprise et acheter un troisième prospectus pour que la prochaine fois que le mec vienne, je puisse dire, hey gars, tu sais quoi? J'ai fait mon boulot. Et c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien. Une vidéo d'une playlist qui gueulait un moment. C'était chez moi? Yes, un de plus. Là, il n'y a rien à récupérer, forcément. Où est-ce que je pourrais acheter des graines de... Ah, il est en train de rentrer, zut. Est-ce que je me demande plus ce qu'il avait, comme si c'est du commerce ou pas. Pourquoi je dors? Et tu? C'est bien, tu te rends rafraîchi, mais autre chose que je voulais faire, moi. Dos. On va faire une palette de plus. Même si là, dans l'immédiat, ça sert pas à grand chose. J'aimerais bien faire des croix partout. Puis après, on essaiera de s'occuper des cadavres. Voilà, donc on a les trois trompettes, ça c'est déjà fait, pardon. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'accomplir, ici? Recette bougie, candélabre 2, schéma vitrail. Les vitraux, pardon, ça pourrait être intéressant. L'encens, ça pourrait être sympa. J'ai quand même envie de débloquer les astuces d'écriture.
ça, il faudrait 100 points encore. Générateur de texte aléatoire. Si le zombie est efficace, du coup, il déposerait peut-être beaucoup d'histoires intéressantes. On va aller voir si je peux essayer de faire quelque chose de sympa. Pour le livre, il me faut quoi ? Il faudrait deux trucs d'or, mais j'aurais pas assez. En plus, il me faut ça là au centre. Ah, mais j'ai dit que je voulais essayer de construire le. Scrogneux. J'ai pas assez pour construire ce qu'il me faut. À moins que je fasse appel à l'astrologue. Est-ce que c'est pas là-haut que t'as quelque chose qui pourrait correspondre à ce dont tu as besoin, E.T. Non, peut-être pas là. 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 C'est de la pierre, ça, ou c'est du... C'est de la pierre, zut. Je vais essayer de... Ouais, c'est très un peu là-dessus. Pour qu'il me ramène les blocs de pierre déjà stockés là-haut. Comme ça, il me ramène des blocs de pierre, enfin. Et je vais en faire autre chose. Bonjour, vous n'avez plus d'énergie ? We can do it, camarade. Ça c'est bon. Tu m'étonnes que tu sens rafraîchi, toi. Et au bout d'un moment, il devrait me ramener du métal. On va se faire un maximum de stockage ici. Mais je vais déjà tout déposer. Qu'est-ce que je dépose en plus là ? Attends. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, moi ? Bon, c'est pas la paire aiguisée que je voulais. Je sais pas ce que j'ai balancé. Peut-être ça, non. Je sais plus. On a déjà, il nous faudra les 5 lingots qui sont là. Et 11. C'est comme ça, on va faire ça, voilà. L'autre zombie devrait revenir avec des trucs intéressants. À moins que j'ai pas fait de station de porteur là-haut, mais normalement si. Merci patate, bon matin à toi aussi. Prends soin de toi et à la prochaine. Alors lui il arrive avec du bois. Ah non, de la pierre. Et un peu de métal, nickel.
Parfait, parfait. On va se faire un gros stock de métal si possible. La pierre, on aura déjà pas mal, hein, donc... On va essayer de faire du stock. Hop, hop. Faudrait peut-être plus ranger l'herbe à hockey aussi. Parce que je sais vraiment pas quoi en faire. Tac. Ah, c'est aujourd'hui? Non! Itzy, fais pas de folle bêtise, s'il te plaît. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. J'ai oublié encore qu'on était toujours là. Non! Il sera déjà parti. Non. Pars pas, pars pas, pars pas, pars pas, pars pas, pars pas, pars pas. Je dois lui apporter 10 vins. Ouais, donc c'est pas tout de suite pour l'instant que je vais pouvoir les faire les trucs. Hein. Il y a ça aussi qu'il fallait que je fasse, justement, le vin. Je crois que j'avais débloqué ça, l'onologie. Enfin, j'allais voir tout ça. Parce que j'y ai pas touché encore. Ah non, tu disais bon matin, genre bonjour. Moi, je croyais que c'était bon matin, genre je m'en vais. Mal, il n'y a pas ce qu'il me faut là-dedans. L'œnologie, c'est où qu'on peut la faire? Bah, le jeu est assez beau, il m'a surpris moi aussi. Je suis pas très fan des pixels à la base, mais il y a vraiment de très jolis effets de lumière. Tu vois, regarde là par exemple la pierre. On voit qu'il y a un léger effet 3D sur l'ombre de la pierre, j'aime beaucoup. C'est quoi le but? C'est un jeu de gestion. En fait, on est un personnage qui vient du monde réel. Et son souci, en gros, c'est que le... Non, pas là. C'est qu'il se fait renverser par une voiture alors qu'il traversait en regardant le téléphone alors que sa femme l'appelait. Et il se retrouve dans ce monde. Et son objectif, c'est d'essayer de retrouver sa femme. Le seul problème, c'est qu'il est devenu gardien de cimetière. Et pour réussir à la retrouver, apparemment, il va falloir qu'il fasse tout un tas de trucs. Donc on doit gérer un cimetière avec l'arrivée des cadavres, la manipulation des cadavres. La... Voilà, on gère le cimetière. On doit aussi gérer l'église, donc on doit faire des messes. On doit gérer notre jardin, gérer notre forge, etc. etc. Bref, jouer avec les ressources. On peut voir que j'ai transformé quelques-uns de mes des cadavres qui m'ont été amenés en zombie pour qu'il puisse faire des actions automatiques. Le jeu est très 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 addictif. On a souvent beaucoup de mal à s'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de technologie, on a déjà passé beaucoup d'heures dessus pour temps, pardon. Mais très 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 sympa. Hein. Donc ça a pas... Ah si, pressoir. Pressoir, on peut le faire. Place. Oui, toi qui viens t'abonner. Et lui, bienvenue parmi nous, Mister Kurutenshi, bienvenue. Bienvenue dans la bulle, hein, bienvenue. Et je sais pas ce que je raconte, c'est terrible, je suis pas réveillé. Voilà, bah, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. J'espère que tu te sentiras bien ici. Je suis un peu la ramasse, désolé. Mais c'est le même principe que Stardew Valley. Ça fonctionne pareil, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a les récoltes à récupérer ici, ce genre de choses, donc il y a de quoi faire. Quoi. On va construire le pressoir, il y avait aussi les tonneaux que je pouvais fabriquer. Oh, je peux faire du jus de pomme. Huile de graines. Mais graines de quoi, du coup? Huile avec de la chair. Enfin, de la... Ok. Jus de raisin. Mais trop fort. Oh, attendez. Il y avait quoi d'autre? Il y avait tout notre fermentation. De vinification. Comment je peux les faire, les tonneaux de vinification?
Faut que je vois où est-ce que je peux faire un tonneau de vinification. S'il n'y a pas d'avoir ce qu'il faut là-dedans. Est-ce que je peux déjà tenter de ramener des pommes juste pour voir? Voilà, et comme tu es en train de le voir, à chaque fois qu'on découvre de nouvelles technologies, bah essaie d'opter plaisir parce que tu sais jamais ce que ça va donner à l'avance. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Est-ce que par hasard... Bouteille de jus de pomme. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça donne quoi, ça? 12? Il faudrait des recettes supplémentaires peut-être que j'achète. Parce que là je vois pas l'autre chose. Ok, en tout cas on a réussi à faire ça. Et ensuite, réfléchissons. Où est-ce que je peux créer des tonnes de vinification à votre avis? Dans une cave peut-être? Quasiment plus d'endurance. On est quel jour? On est le jour de l'astrologue. Je sais plus s'il avait pas des choses pour le commerce, l'astrologue. On va aller voir. J'ai combien? J'ai 30 pièces, c'est pas énorme. Déjà, est-ce que j'ai encore assez de place dans mon inventaire? On va aller voir. On va aller voir ça de plus près. Ah, je sais ce que j'ai encore oublié. Ah, mais c'est pas ça que je voulais voir. Encore, j'ai encore un petit peu de temps. On va aller récupérer les certificats d'inhumation pour les revendre. Ça nous rapportera quelques sous de plus. Ce qui est déjà pas mal. Et avec ça, je devrais pouvoir acheter plus de choses à la chimiste puisque je viens de dépenser des sous pour m'acheter des recettes. Je pensais que je m'en sortirais avec des choses plus intéressantes que ça. Mais malheureusement, non. Voilà, il me restait. Hop. Donc ça m'en fait. Qu'est-ce que je fous? Moi, c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Voilà. Pas par là. Mais je trouve, ramène-moi du fer plutôt, j'ai pas besoin de pierre là pour l'instant. Tuck. Petit arrêt rapide là par là, on aura le temps normalement d'atteindre le phare. Maintenant le phare. Salut Phila, ça va bien et toi? Quoi de beau, bien dormi? Lui il a lu la novembre. Continue. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Ça va, bien dormi? T'as essayé le vélo? Ah, il a pas plus haut que ça. Ah, je m'attendais vraiment si ça coûte plus cher ce truc-là. Ça coûte vraiment plus cher, autant aller chez le marchand en fait. Tu fais du pognon en vendant des légumes et puis voilà.
Je sais plus ce qu'il fallait comme autre outil. Ah. Je suis pas sûr que ça servira à grand chose. Pièce d'or quand même, monsieur. Tentez de partir là-dessus pour voir. Ouais, je vois ça. Et j'imagine qu'il revient avec un inventaire plein. Ça, c'est bon. Ouais, justement, je vois ça. Je cherche à trouver des graines de citrouille. Tu vois là, comme ça, bien, bien puissantes. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Qui c'est qui pourrait vendre ce genre de choses? Ou alors, faut que j'arrive à les fabriquer, les faire évoluer, je sais pas. L'homme qui zigzaguait. Les graines de citrouille, on peut les faire nous-mêmes? Ouais, mais il faudrait déjà avoir des citrouilles de folie. Pour réussir à faire des graines... extraordinaires comme ça. Il faut que je trouve aussi un endroit où il faut faire des tonnes de vinification. Ça va être tellement dur de s'arrêter encore une fois. Tu veux de l'aide pour les tonnes de vinification? Je sais pas dans quel où est-ce qu'ils doivent être posés en fait. À partir de quel établi on doit les créer. Un niveau particulier. Non mais là c'est pas des Pokémon. On va pouvoir s'en sortir, attendez. Déjà on va voir ce qu'il me faut. Ah il me faut les bijoux, il me faut 50 pièces pour chaque bijou, donc il me faut 2 bijoux. Le mec chiant avec son truc doré quoi. Alors que j'ai déjà un livre. Attendez, j'ai déjà un livre doré. Enfin un truc comme ça. Donc si je fais ça. Que là par exemple je prends ça. Il me faut 3 notes pour un chapitre, donc il va me refaire des pages. Pourquoi pas? Voilà, on va remettre ça à l'intérieur. Toc, toc, toc. Ensuite, si on fait ça. On monte comme ça. J'aurais pas assez d'énergie. Tu as moyen d'améliorer tes graines grises. Ah ouais? Faut que je trouve une solution. Est-ce que je peux pas regarder dans les technologies par hasard? Est-ce que c'est les technologies, Lynx? Me dis pas tout. Est-ce que c'est dans les technologies? Ou est-ce que c'est lié à une autre action? Est-ce qu'il faut que je passe par un élément particulier? Ou il y a forcément une solution à ce niveau-là? Ce jour de la prière. Faut que je termine ma prière, vas-y, on y croit. Non, en bas. Technologie d'office. Une technologie d'office. Mais comme Windows Office, Word, Excel, tout ça. Une deuxième, s'il vous plaît. Fabriquer. Voilà. Une troisième, s'il vous plaît. Attends, c'était la bonne hein, que j'ai créée. Non! Je n'écris une qui sert à rien, je crois. Ah mais si, elles apparaissent quand même comme ça. Pourquoi j'en ai 3 comme ça? Ça marche pas à tous les coups? C'est un taux de chance, en fait?
En fait, j'ai 50% de chance de tomber sur un truc gris, c'est ça? Je suis tristesse. Ah, mais j'ai déjà plus d'énergie! Mais non! Mais ça épuise d'écrire, c'est de la merde! Attends, j'ai eu 4 trucs comme ça, mais c'est tellement chiant! Je devrais faire peut-être un bureau de niveau 2. Ouais, bah, sur 5 essais, il y en a quand même pas mal hein, que j'ai raté. Je suis deg. Bah, tant pis. Hein. Non, mais faut que je fasse ma prière quand même, sérieux. Zut, quoi. C'est pas juste. Maman, c'est pas juste. Où est-ce que j'ai mis ma prière? Ah si, je l'ai mis là. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. J'y étais, là, j'y ai cru, tu vois, je me suis dit c'est bon, c'est réglé. Tout va à merveille. Bah non, j'étais trop en retard. Ah ouais, non, mais comment ça va être frustrant quand tu tentes l'or? Sérieusement, déjà que t'en as pas beaucoup, les trucs d'or. Apparemment, j'ai vu qu'on pouvait en écrire des histoires, donc après, pourquoi pas. Bénédiction, machin, on s'en fout, vas-y. Je bénis cette église, au nom du Saint-Pad. Priez pour le skill. Oui, mais j'ai commencé le truc des marchands. Donc j'ai vu que j'aurais gagné 15 ou un truc comme ça à chaque fois. Donc je me sens libre maintenant si je gagne 15 à chaque fois. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais... hein. Tiens. Tiens. Je m'en fous, je vais la voir ma machine. Moi qui voulais faire de l'or, je pensais que c'était automatique, tu vois, que voilà. C'était un truc de niveau 50. Ah, enfin. Ah bah j'ai plus de papier. J'ai plus de papier, extraordinaire. Ben les caisses. C'est vachement pratique les caisses avec le marchand. Tu fais des caisses de citrouille super chères, tu en envoies plein et c'est réglé. Plein de pognon. À moins que tu fais des trucs en or et que tu les vends et que ça vaut 50 pièces et que voilà. Mais je sais pas. On va voir. J'en ai deux du coup. Où ça va te faire des sous-sous? Comment ça? J'ai aussi du jus de pomme. Faut que je trouve quoi faire avec mon jus de pomme. Les pépites d'or, tu les trouves autre part. J'en ai là, qui a eu des pépites d'or dans le donjon, je les ramasse un petit peu. Se décompose en poudre d'or d'ailleurs, j'imagine. Oh, vas-y, attends. J'ai envie de faire des folies. J'ai envie de faire des folies. C'est pas du tout logique ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même. Parce que je le vaux bien. Vous le savez. Paf! Je t'en schtroumpf. Tiens! Tiens! Alors on fait moins sa maline, là, hein? Tiens! Bon, j'en ai que deux. Bah voilà! Voilà ce que j'aime! Ah bah j'ai plus d'énergie. C'est pas juste. Ouais, une nouvelle à 40 minutes, ça fait 10h22 que je suis en live. Faut qu'on parte du papercraft, les gens. Je me sens rafraîchi. Ah oui. Non, pas par là. À moins que tu veuilles aller voir si éventuellement
on n'aurait pas les tuyaux super intéressantes dans un coin, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui, je crois que c'est ça que t'es en train de me dire. Viens, on va aller vérifier. De quoi je crois vraiment? Non, non, je peux bouffer aussi. Wistkun, mais comme je fais pas de recette de bouffe, et ben voilà. Ah bah je peux rien faire ici. Bonjour Ezekiel, ou plutôt heureux, je crois qu'on s'est vu tout à l'heure. Papercraft, mais si, il faut qu'on avance Papercraft. Moi j'ai un jour envie de voir cette maquette finie. Et déjà qu'il va falloir 2 mois en faisant des screens, enfin des trucs tous les jours, et sachant qu'on en fait pas tous les jours, et qu'on en fait pas 2 heures tous les jours, et que je suis beaucoup plus long que je ne le devrais, il faudra au moins 3 mois. Et tu vois, ce serait cool de pouvoir le terminer pour Noël par exemple, comme ça à Noël je pourrais faire hé hé les gens, regardez, j'ai un Papercraft que je me suis offert à moi-même, parce que je m'aime. Et tout, tu vois, et du coup, ce serait cool. Du coup, ça va rien, ce que je t'ai faire. Mais si, Lynx... En plus, je suis sûr que tu meurs d'envie de dormir. T'avais dit que ce serait ton jour de repos le jeudi, t'as pas travaillé. Si, t'as travaillé, justement. Ouais, mais justement, on a déjà avancé sur le jeu. Hein? Alors, non mais oh, non mais oh. Vas-y, là on est bon. Donc je peux créer un chapitre avec... Tac, comme ça. 90% de chance. Sérieux? Si je tombe sur le 10% de chance, je vais être dégoûté. C'est bon. Ensuite. Un livre. Ah, en plus, j'ai 50% de chance que ce soit dégueulasse. C'est quoi la compétence qu'il me faut? Pour que ce soit pas dégueulasse? Genre, j'ai de l'or dans les doigts et je sens le schtroumpf? Elle est où cette compétence? Attends, c'était pas là? Non, c'est pas ça. Oh, elle est là! Elle est là, la saleté! Non, là, schtroumpf, on va jamais s'en sortir! Vous avez le nez pour trouver des gemmes, pour vous en découvrir. Bon bah tant pis, on tente quand même, hein. On tente quand même. Je crois que c'est ça qu'il nous faut. Tant pis, je tente. C'est de la folie, me dit-il. Je l'entends dans mon oreillette. C'est de la folie, dit, ne fais pas ça. Pas du papercraft, non, Lynx. C'est pas bien ce que tu fais. Pas cette fois. En général, tu gagnes une rediffusion de plus, mais pas cette fois. Pas marcher à tous les coups, hein. Je viens de sauvegarder. Toc. Ah, ce chantage quand même. Et maintenant, 80% de chance de réussir, vas-y. Yes! Je l'ai. En quoi c'est du chantage? Ben c'est pas du chantage, mais c'est de la tentation. C'est pas bien. Si, c'est du chantage en fait. Parce que t'es en train de me dire d'une façon dérivée que si jamais je pars faire ça, eh ben tu nous quittes. Ça fait genre, ouais, mais mon papa, il arrive dans 2 heures, et ben du coup, ce que je dois faire, c'est si jamais tu fais pas du Graveyard Keeper, je m'en vais. Donc tu m'auras pas jusqu'à 10 heures, na. C'est l'interprétation bidon, qu'on se le dise. L'art de la pierre. Mais du coup, c'est nul. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Il faut attendre une semaine pour que le reste apparaisse, c'est pas juste... Ouh, ce serait peut-être pas mal de le prendre, ça. C'est ça qu'il me faudrait.
Distillation, on l'a pas encore. Une palette réfrigérée, ça pourrait être sympa. Mais j'arrête pas, je peux aller faire du papercraft. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouh, attends, je fais ça aussi. Vas-y, je vais prendre ça. Comment ça, prends les deuxièmes, tu vas t'amuser. Prends les deuxièmes. Les deuxièmes. Les deuxièmes quoi? Ça, là? Trop tard. Oh, mais ça va, ça va vite trouver, après. Déjà, Iti, concentre-toi, s'il te plaît. T'as deux choses que tu peux faire. Parce qu'il est quelle heure, là? 7h58. J'ai déjà, en plus, aujourd'hui, j'ai déjà pris du retard sur la publication. Ah, mais t'es... Sérieusement? Pourquoi tant de haine? Je pouvais pas les prendre, les bouteilles roses. Je pouvais prendre que les vertes, pour l'instant. Voilà. Tapez vote 1 pour une rediffusion de plus. Tapez vote 2 pour directement du papercraft. Voilà. Voilà. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Est-ce qu'il y avait ça là? Mais non, c'est point d'exclamation vote 1 qu'il faut taper. C'est tout. Avec le point d'exclamation devant. Chez moi, c'est pas le système de Twitch. Donc fallait que ça fonctionne sur les autres plateformes. Donc vous tapez point d'exclamation vote, espace 1 ou espace 2. Un espace entre le vote et le point et le numéro. Dave, ça y est, ce vote a été compté. Tu vois? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Donc c'est ça, les bouteilles roses que tu me conseilles. Le seul problème, c'est que de toute façon, j'aurais pas pu avoir les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais gagner un toc de poumon avec mon église. Faut que je fasse ça. Terrible. Bon, ça fait plaisir, mais vous êtes terrible quand même. Normalement, il devrait finir par me ramener du fer, l'autre, à force. J'ai hâte d'essayer la nouvelle messe, mais avant ça, on va faire des miracles. On va d'abord dormir. Non, regarde, vous êtes deux. De toute façon, il y aura du papercraft après. Celle de la prochaine rediffusion. Mais une rediffusion de plus. Je me sens rafraîchi. Heureusement. Déjà, il faudrait peut-être que je dépose les planches dégueulasses là que j'ai faites. Par ici. Ça, là. Et ça. On se ferait une étagère à bouquins à un moment donné, hein. Ensuite, on va essayer de faire deux choses aujourd'hui. On va essayer d'aller voir combien ça nous coûte de créer des nouveaux bancs pour les remplacer. Ah mais non, mais le niveau 2, faut de la soie. Je sais pas faire, moi, la soie. Faut que je l'achète. Je sais où on achetait, mais non. Ça coûte du pognon, acheter de la soie, c'est chiant.
suis dans la tourmente. Toi là. Tant, parlons à faire. Tiens, génial, je comprends pourquoi le boulanger m'a offert une tarte gratuite ce matin. Les gens commencent à parler de la qualité supérieure de nos produits. Dommage que nous ne puissions pas vendre plus de 10 caisses par semaine, c'est une restriction liée à la licence. Mais meilleur sera notre... plus nous pourrons monter nos prix. Nous pourrons bientôt songer à étendre notre chaîne de production. Vous savez que la ville ne se contente pas de pain et d'eau. Pas faire mieux que ça. C'est quoi ça? Graines de vigne. Ah, oh, il y a des graines de vigne dorées, lui. Coucou Cinder. Bon, allez, de toute façon, on va couper la rediffusion. On va faire une ou deux actions de plus, on va couper le rediff et après on fera du papercraft. Elle avancera jamais cette maquette. Hein? C'est terrible. Vous voyez ce que vous me faites faire? Il ramène encore de la pierre lui. Sérieusement? Bah attends. Je commence à me poser des questions là. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Voilà, lui il est à fond. Pourquoi? Pas que réserve de minerai de fer, fallait que je la pose où? Tout en haut à droite? Parce que là y a rien. Y avait un moyen de placer un truc à côté là-haut? Peut-être pour ça qu'il amène rien à l'autre là. Une solution. Il faut quoi pour une réserve de minerai, de fer? Il faut encore des autres d'os. Ce plan n'est pas rechargé, donc faut qu'on rentre à pied. Oh là là. Oh là là. C'est long. Bon, pendant ce temps-là, on va couper la rediffusion, du coup. Tout simplement. Vous avez fait votre choix. Hein? On voit ce qui gagne. La réponse correcte est donc ça. Mais après Papercraft, attention. Hein? Ah, je vous jure. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Notre compagnon se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live. Ah, mais non, mais je me fais attaquer en plus. Tu vois ça, c'est de votre faute. Bum.